qui nous est très cher, donc avec l'IRSEM, hein, plus généralement avec le ministère des Armées. Nous sommes très, je crois que c'est le moment encore une fois donc de remercier Jean-Baptiste, Jean-Jean Villemaire, évidemment pour cette occasion, mais aussi c'est vrai que c'est une coopération qui remonte loin, puisque notamment en 2015, hein, nous avions engagé ensemble un programme avec le CNRS aussi, hein, dans le cadre d'attentats recherche qui avait été lancé à cette époque, hein, Jérôme s'en souvient. C'était vraiment extrêmement... Voilà, c'est une coopération qui est installée, hein, qui donne lieu à toutes sortes de collaborations. Pardon, je ne l'ai pas. Oui, excusez-moi. De collaborations extrêmement intéressantes. À l'époque, Jean-Baptiste était pour moi un spécialiste de séries télévisées, auteur d'un ouvrage sur 24 heures chrono. Et ça avait été, je me rappelle que ça avait été tout drôle de le retrouver dans un cadre nouveau. Maintenant nous sommes habitués, mais du coup, ça permet à la fois de coopérer sur ces questions de sécurité, hein, et sur les séries télévisées. Et du coup, bien sûr, comme vous le savez, on l'a rappelé hier, j'ai pas besoin d'en dire plus, hein, donc le programme Démo-Série qui réfléchit à la fois donc aux questions de sécurité et à ces séries sécuritaires. Et comme on l'a vu hier, l'impact, les effets sociaux, politiques, des séries populaires sur la société actuelle. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est très, très pertinent aussi, hein, pour nous. Donc merci. J'en profite pour rajouter deux choses. Hein. D'une part, merci encore à l'équipe de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, hein, voilà, on l'a fait hier, mais je voulais vraiment les remercier d'être là encore, Aurélia, Gwenaëlle, Anaïs et donc toutes les qui assurent aussi la captation, une présence depuis le début. Et bien sûr, merci à l'IRSEM, mais là je vais donner la parole à Jean-Baptiste, mais je voudrais dire à quel point vraiment je suis reconnaissante, notamment à Caroline, bien sûr, à Dorian, et je ne vais pas citer tous ceux qui sont là ou pas là, mais ça a été aussi vraiment très, très, très gratifiant. Et comme on a plusieurs opérations communes encore à venir, je suis très contente de parler d'évoquer en fait l'importance de ce partenariat. Et je voudrais également donc vous indiquer que nous aurons deux sessions parallèles à partir de 10h30 après la keynote de Jérôme Truc. Donc nous allons être pour une partie ici et pour l'autre partie, donc en salle 217, si ça n'a pas changé. Donc ça, c'est la première chose à bien noter, hein, devant notre surplus d'excellentes propositions de communication. Là, on a dû dédoubler. L'autre information, c'est Anna Schleifer, qui, c'est très extrêmement intéressant. C'est pas au programme, mais donc entre 13h30 et 14h, c'est cela, va nous présenter un jeu de rôle, en fait, Red Team, sur justement ces questions. Les questions qui nous préoccupent ici, donc ces questions d'alerte et de sécurité. Donc il faut que vous soyez tous présents ici. Ça va être, c'est la cerise sur le gâteau, et ça va être le divertissement du jour, mais également très, très, très éducatif. Nous aurons les différentes sessions de l'après-midi,
Et cela se terminera par la table ronde, donc mémoire, un musée, donc sur la mémoire, un sujet qui préoccupe aussi hein, Jérôme, modéré par James McAuley, avec encore Anna Slifer, Clifford Nachanin et Henri Rousseau, qui conclura cette journée, mais pas le colloque, puisque, comme vous le savez, à 19h30, il y a le cocktail de clôture auquel vous êtes évidemment tous, toutes conviés. Donc c'est une raison de plus de rester jusqu'à ce soir. Et je donne la parole à notre hôte, à Jean-Baptiste, en remerciant encore. Merci Sandra, bonjour à tous. Donc c'est évidemment pour moi un grand bonheur et un grand honneur d'ouvrir cette seconde journée de colloque sur l'événement en septembre, et je souhaite d'emblée m'excuser de n'avoir pu ni participer ni même assister physiquement à la journée d'hier, que j'ai suivie néanmoins en partie en ligne. Et aussi au nom de l'IRSEM, vous dire que nous sommes sincèrement désolés de n'avoir pas pu organiser cette seconde journée à l'école militaire, ce qui était initialement prévu. Mais nous nous sommes fait prendre l'amphithéâtre prévu par le chef d'état-major des armées. Il est prioritaire. Donc, à charge de revanche, j'espère que l'Université parisienne ne nous en veut pas et qu'on pourra, à l'avenir, organiser quelque chose chez nous, c'est-à-dire sur le site de l'école militaire, qui n'est pas loin. Mais qui est assez différent de celui-ci. J'aimerais remercier évidemment Sandra Logier et Pauline Blisten qui sont à l'initiative de cet événement, ainsi que côté IRSEM Jean-Vincent Olindre qui s'excuse de n'avoir pu lui aussi faire l'ouverture hier à cause d'un problème de santé, Maud Kessar qui l'a remplacé au pied levé et Caroline Verstappen, notre secrétaire générale, ainsi que l'équipe de soutien dont Dorian Léger à la communication. Alors maintenant quelques mots sur le fond. Je ne ferai pas de grand discours sur l'événement en septembre, beaucoup a déjà été dit hier, je ne vous raconterai pas non plus où j'étais et ce que je faisais en septembre 2001, même si c'est une sorte de passage obligé. J'aimerais insister sur une seule idée, celle quelque part de l'intemporalité du 11 septembre, puisque d'un côté, en effet, le 11 septembre est profondément daté, c'est-à-dire qu'il est profondément temporel, puisqu'il marque le début du 21e siècle, il est dans le temps puisqu'il en est un marqueur. Mais d'un autre côté, il est aussi hors du temps pour deux raisons. La première, c'est qu'il reste présent, puisque évidemment ça fait 20 ans, mais les défis du 11 septembre ne sont pas surmontés, ce qu'on appelle le terrorisme global ou l'hyperterrorisme, le terrorisme militarisé, enfin il y a eu plein d'expressions au cours des 20 dernières années, reste l'une des menaces majeures. L'Afghanistan, dans l'actualité récente, est revenu quelque part au point de départ. En tout cas, c'est l'impression que ça peut donner. Et cet événement, la chute de Kaboul, le retour des talibans, nous ramène, ou semble nous ramener 20 ans en arrière. C'est évidemment pas la même chose, le contexte n'est pas le même, il n'y aura pas un 11 septembre demain. Mais néanmoins, on peut avoir cette impression de retour et donc de suppression, de compression du temps. Et puis aussi, après 20 ans, et il n'y a pas que l'Afghanistan, il y a aussi le Sahel, naturellement, il y a eu l'Irak, il y a une remise en cause croissante de l'interventionnisme militaire pendant 20 ans de soi-disant guerre contre le terrorisme, une expression très maladroite. Et nous n'avons toujours pas trouvé de solution permettant de transformer des gains tactiques. On arrive à faire à produire des gains tactiques, on n'arrive pas à transformer ces gains tactiques en victoires stratégiques. Ça depuis 20 ans. Donc on a, grosso modo, depuis 20 ans, le même problème, toujours pas de solution, et c'est l'ensemble de ces raisons qui fait qu'on a l'impression d'être dans une forme de présentisme, à mon avis, à l'égard du 11 septembre. Et la deuxième raison, plus propre à notre activité d'aujourd'hui, pour laquelle le 11 septembre peut sembler intemporel, outre ce présentisme, c'est en fait qu'il n'a jamais cessé d'être représenté, et de nourrir l'imaginaire. Et ça, je parle de l'imaginaire non seulement dans des œuvres de fiction, mais aussi dans des théories du complot, qui sont d'une autre manière aussi un produit de l'imagination. Le 11 septembre inspire, il inspire soit directement lui-même, l'événement, soit les conséquences directes du 11 septembre, c'est-à-dire les réactions, c'est-à-dire la guerre contre le terrorisme. Donc d'une manière ou d'une autre, le 11 septembre se perpétue depuis 20 ans via l'imagination. C'est ce que font des séries comme 24 heures chrono, dont a parlé à l'instant Sandra, dont la diffusion, il faut le rappeler, a commencé au lendemain du 11 septembre. Quasi littéralement, enfin ça devait même être littéral, ils ont attendu 2 mois, et s'est étalé ensuite sur une décennie, suivie d'une autre série comme Homeland, et d'autres qui ont continué à perpétuer le 11 septembre, et tout ce qu'il implique dans les 2 décennies suivantes, à chaque fois en l'adaptant
au contexte politique différent, et en particulier à la politique américaine. C'est sûr que les thèmes majeurs de l'après 11 septembre obamien n'ont pas été les thèmes majeurs de l'après 11 septembre bushien. Il y avait des variétés, une certaine variation. Néanmoins, c'était toujours le même cadre conceptuel, la même grammaire et les mêmes représentations du 11 septembre qui ont contribué donc de cette manière à intemporaliser cet événement. Et c'est sur ce point en particulier, celui du rôle des représentations, que ce colloque sur deux jours est une contribution majeure et qu'on peut dire qu'il est lui-même un événement. Et c'est pourquoi l'IRSAM est fier de s'y associer. Et encore une fois, je remercie nos partenaires de Paris 1, mais aussi tous les intervenants et vous, le public, pour votre participation. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, effectivement. Nous nous réjouissons que le colloque lui-même soit un événement et qu'en réalité, il y ait peu de colloques c'est organisés vrai. À cette occasion, alors que quand on a commencé à en parler, on s'était dit qu'il y en aurait toute une foule. Donc, du coup, on est particulièrement heureux. C'est aussi... Donc, j'enchaîne avec notre conférence keynote, puisqu'on prend un peu de retard, mais faut prendre le temps... après, qu'il faudra. Donc, c'est évidemment un très grand plaisir d'avoir Jérôme Truc pour faire cette deuxième keynote. Hein. Hier, c'était Mireille Delmas-Marty. Aujourd'hui, c'est toi. Et j'avoue que c'était très important que tu puisses le faire, puisque pour des raisons globales, puisque c'est vrai que Jérôme est un très grand spécialiste de l'effet des attentats sur les sociétés et c'est également quelqu'un qui travaille vraiment de longue date sur cette question des attentats. En gros, la réalité est venue lui donner raison à de nombreuses reprises finalement, puisque c'est son sujet ancien. Donc il avait déjà fait cet ouvrage Sidération face aux attentats et ensuite un autre ouvrage récemment face aux attentats là, qui était après. Il travaille donc non seulement sur cette dimension sociale politique des attentats et également donc maintenant aussi beaucoup sur la mémoire, sur la mémoire des attentats. Bon, les deux questions sont évidemment liées. Il y a deux raisons pour lesquelles ça me fait particulièrement plaisir qu'il ouvre cette journée. C'est que d'une part, Jérôme a été vraiment une partie très très active du développement des recherches sur les violences post-attentats en sciences sociales, puisque tu avais beaucoup participé à l'appel. C'était à cette occasion aussi qu'on avait échangé, donc avec l'appel du CNRS auquel tu as vraiment, vraiment contribué. Et Jérôme aussi à cette perspective de sociologie morale qui m'est chère, puisqu'il a démarré aussi en travaillant sur Dewey. Donc je crois que ça montre vraiment aussi à quel point les sciences sociales... ont une contribution essentielle sur ces questions. Enfin, il n'y a pas besoin de le rappeler, mais je le rappelle quand même toujours. Et tu es donc chercheur au CNRS et à l'Institut Sciences Sociales du Politique. Non, ISP, c'est ça ? C'est ça. Parfait. Bien, merci beaucoup pour cette introduction, pour l'invitation, pour l'organisation de ce colloque. Merci à toi, Sandra. Merci à Pauline. Merci à Jean-Baptiste. Merci à tout le monde. C'est effectivement... Alors déjà, on le disait à l'instant, je suis très heureux que ce colloque ait lieu, parce qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il y en ait plus, mais c'est très bien qu'il y en ait un qui soit important comme ça, impliquant Paris 1 et l'école militaire. Ça me semble vraiment nécessaire, et avec une perspective qui embrasse à la fois la dimension stratégique et la dimension, alors on en parlait hier dans la discussion, d'imaginaire, de la présence, la persistance du 11 septembre dans notre imaginaire. Je pense que c'est vraiment très important de pouvoir avoir... On n'aurait peut-être pas pu, d'ailleurs... plus près de l'événement, 5, 6 ans, 10 ans après l'événement, avoir une approche comme ça qui se permette de croiser les deux. Et je pense que c'est très bien qu'on puisse le faire aujourd'hui. Donc merci une fois encore pour l'organisation de cette conférence, de ce colloque. Et puis donc merci de m'avoir invité à faire cette conférence, ce à quoi je suis très sensible. Je suis vraiment très heureux d'être là avec vous aujourd'hui, d'avoir pu alors assister à une partie hier seulement malheureusement du colloque. Mais voilà, je suis très heureux d'être là pour pouvoir... introduire cette deuxième journée. Alors, Jean-Baptiste disait à l'instant qu'il n'allait pas vous dire où il se trouvait, lui, le 11 septembre 2001, parce que c'est vrai que c'est un passage obligé. Moi, en l'occurrence, je vais commencer comme ça. Vous allez voir pourquoi, à des fins pédagogiques. Parce qu'il se trouve que j'appartiens
à la génération en septembre, celle qui est entrée dans le monde et à l'âge adulte avec cet événement. Je venais très précisément, en fait, quelques semaines auparavant, d'avoir 20 ans. Et je faisais alors précisément ce jour-là, ma première rentrée à l'école normale supérieure. Je me souviens avoir appris la nouvelle par téléphone dans la rue, tandis que je rentrais chez moi avec un camarade de promotion après une matinée de réunion d'accueil. Et sitôt chez moi, j'ai donc allumé la télévision pour suivre les événements en direct, comme tant d'autres. Jusqu'ici, c'est assez banal. Je me souviens très nettement avoir eu le sentiment d'assister alors à une rupture majeure, de m'être inquiété du début d'une nouvelle guerre mondiale, et de m'être demandé quelle pourrait être ma place et ma tâche dans le monde d'après cet événement. Vous comprenez bien que le télescopage avec le fait que je rentrais à l'école normale supérieure, du coup... J'arrivais à l'école normale supérieure avec le projet de devenir enseignant-chercheur en sciences sociales, et cela, tout d'un coup, m'a semblé n'en avoir que plus de sens encore. Et cela n'avait pourtant rien d'évident. Que peuvent en effet les sciences sociales face à un événement tel que le 11 septembre ? Qu'ont-elles à en dire ? Si l'on en croit l'historien américain Bruce Cummings, pas grand-chose en fait. Dans sa contribution à Understanding September 11, l'un des tout premiers ouvrages académiques qui a été publié aux États-Unis sur le 11 septembre, à l'initiative du Social Science Research Council, il faisait en effet part de son désarroi. Je le cite... Je ne sais pas ce que la théorie des jeux ou le paradigme du choix rationnel peuvent nous apprendre sur la tragédie qui s'est produite le 11 septembre, ou sur la nouvelle guerre qui l'a suivie. Quel mélange de coûts et de bénéfices, d'encouragements et de sanctions, de variables dépendantes et indépendantes, de signaux et de bruits, de transparence et d'aléas moraux auraient pu détourner les 19 terroristes kamikazes de leur tâche, ou prédire toutes les conséquences de la guerre en Afghanistan. Alors certes, toutes les sciences sociales ne se résument pas à la théorie des jeux et au paradigme du choix rationnel, et bien entendu, il existait déjà à l'époque tout un ensemble de travaux académiques déjà sur le terrorisme, mais il est vrai que les attaques du 11 septembre ont marqué une telle rupture dans l'ampleur et le mode opératoire habituel à l'époque des entreprises terroristes que tous nos savoirs en la matière ont soudainement pu paraître obsolètes, dépassés, inopérants. Quelques mois plus tard, en janvier 2002, il y eut un autre événement très marquant pour le jeune étudiant en sociologie que j'étais, le décès de Pierre Bourdieu. Un 11 septembre de la sociologie, pourrait-on dire, puisque je rappelle, et j'y reviendrai, qu'entre autres métaphores hasardeuses inspirées par le 11 septembre en Europe ces dernières années, il y en a eu beaucoup, la mort de Michael Jackson, par exemple, fut-elle qualifiée de 11 septembre de la pop culture. Alors j'ai bien cherché, et je ne crois pas qu'il y ait eu le moindre commentaire, du moins public, de Pierre Bourdieu sur le 11 septembre. Alors certes, il était déjà en train de lutter contre la maladie à l'époque, mais il restait actif et il écrivait encore. Or, sur cet événement majeur, Pierre Bourdieu n'a, semble-t-il, rien dit ni écrit. Ce qui ne lasse pas d'interroger, comment l'un des plus grands sociologues du XXe siècle, face à un tel événement, a-t-il pu rester silencieux ? Et ce, d'autant plus qu'au même moment, vraiment au même moment, sa revue Acte de la recherche en sciences sociales publiait coup sur coup deux numéros consacrés à l'exception américaine. Bien d'autres, comme on le sait, n'ont pas eu pareil retenue, car je crois bien que c'est quelque chose de la sorte dont il s'agit en fait. On se souvient de Jean Baudrillard faisant scandale avec son analyse en termes d'événements images où le virtuel l'emporterait sur le réel. Il y eut aussi Edgar Morin pour y voir la manifestation d'une terreur monde, ouvrant rien moins qu'une crise planétaire, et qui co-signa d'ailleurs quelque temps après avec Jean Baudrillard « La violence du monde », un livre de circonstances aujourd'hui passablement oublié, je crois, tant il n'apportait pas grand-chose. Je me rappelle avoir à l'époque ressenti de la gêne et de l'insatisfaction face à l'écart entre ces analyses très globalisantes proposées par des sociologues et la grande variété des réactions à l'événement qu'il était loisible d'observer au moment même, ne serait-ce que dans la société française. Des enquêtes ont depuis montré que quand on demande à des Français, des Belges, des Italiens ou des Suisses quels événements survenus dans leur pays ou dans le monde au cours de leur vie les ont le plus marqués, le 11 septembre est celui qu'ils citent le plus souvent, dans 33 à 41% des cas. Mais si l'on pose la même question à des Argentins, des Chiliens, des Brésiliens ou des Mexicains, le 11 septembre n'est plus mentionné que dans 11 à 24% des cas. Affirmer que le 11 septembre est un événement qui a terrorisé le monde entier et suscité une émotion planétaire, comme on le fait encore parfois aujourd'hui, ce n'est dès lors rien d'autre que donner pour universel un point de vue particulier. Autrement dit,
C'est faire preuve d'un occidentalocentrisme qui, en tant qu'il fut une modalité de la réaction d'intellectuels européens à cet événement, est à expliquer, bien plus qu'il ne contribuerait à expliquer quoi que ce soit. Il faut dès lors prendre ces analyses de Baudrillard et Morin pour ce qu'elles sont, à savoir de purs et simples commentaires de l'événement. Certes savants, mais des commentaires quand même. Ces commentaires nous aident peut-être à penser, ne serait-ce qu'en donnant un point d'appui critique, en créant de la satisfaction, comme je viens de l'expliquer. Mais ils ne nous apprennent rien. Et cela pour une raison simple, ils ne s'appuyaient sur aucune donnée empirique. Or, s'il est une chose bien établie, c'est que les sciences sociales, pour produire des connaissances, ont besoin de recourir à l'enquête. Il leur faut des données, des matériaux, sans quoi elles tournent à vide et ont au fait de virer au verbiage. Émile Durkheim le disait déjà, c'est le recours à une démarche empirique qui permet aux sociologues de mettre à distance ses prénotions et ses préjugés sur le sujet qu'il étudie. En l'espèce, lorsque le sujet en question est une attaque terroriste, c'est ce détour par l'enquête qui lui permet de prendre du recul sur son ressenti et d'objectiver son propre rapport à l'événement de manière à éviter toute forme de sociocentrisme. Or, il se trouve qu'au même moment, et c'est heureux, d'autres chercheurs en sciences sociales, plutôt que de commenter l'événement, se mirent au travail en silence. Il faut souligner en particulier la remarquable réactivité de Randall Collins, alors professeur de sociologie à l'Université de Pennsylvanie, qui, dès le quatrième jour après les attentats, entreprit avec l'aide de quelques amis et collègues de réaliser des observations systématiques en différents lieux des États-Unis, de manière à documenter finement, puis à analyser, le processus de réaction sociale déclenché par l'attaque. Pendant 9 mois, ils recensèrent à Philadelphie, à San Diego, à Iowa City, et ainsi que dans des zones rurales et des parcs en Virginie, dans le Maryland et dans l'Iowa, les manifestations de solidarité avec les victimes du 11 septembre, c'est-à-dire les drapeaux aux portes ou aux fenêtres des maisons, les emblèmes patriotiques qu'on pouvait voir sur les voitures ou sur les habits des passants, etc. Et de ce travail d'enquête minutieux, Randall Collins tira 2 conclusions essentielles, livrées dans un article paru 3 ans après, en 2004, dans Sociological Theory. La première de ces conclusions est que l'effet fédérateur produit par une attaque terroriste majeure telle que le 11 septembre suit une certaine temporalité, où se distinguent différentes phases. D'abord, une courte période de choc, pure et simple, où les réactions individuelles s'expriment de façon relativement désordonnée. Puis, une deuxième phase, plus longue, au cours de laquelle un registre de démonstration publique de la cohésion sociale se stabilise autour de symboles nationaux. Ensuite, un plateau de plusieurs mois où l'effet fédérateur est à son plus haut niveau, avant que ne s'amorce ensuite un progressif retour à la normale. Ce plateau de solidarité est aussi ce que Randall Collins appelle une zone d'hystérie, des plus dangereuses. C'est une période, en fait, où les individus sont à fleur de peau, où la vie sociale est comme en sur-régime. La cohésion sociale et le patriotisme sont plus affirmés qu'à l'accoutumée, certes, mais en même temps, les tensions sociales sont exacerbées. Ce sont les deux faces, véritablement, d'un même processus. Il s'agit donc aussi d'un moment de vulnérabilité du corps social, qui est propice à de nouvelles attaques, du fait d'individus isolés que les événements inspirent, typiquement les lettres contenant de l'anthrax après le 11 septembre aux États-Unis, un moment propice aussi aux fausses alertes et aux agressions à caractère raciste qui sont perpétrées par certains en représailles. La seconde grande conclusion à laquelle parvient Randall Collins est que l'effet fédérateur déclenché par le 11 septembre ne s'est pas manifesté avec la même intensité partout dans la société américaine. C'est essentiellement dans les villes où la vie sociale est la plus intense et les interactions les plus denses, que cet effet fut le plus palpable, plutôt que dans les zones rurales des États-Unis, alors même que ces zones sont connues pour être politiquement plus à droite et donc a priori plus enclines aux démonstrations de patriotisme. La raison en est, explique Randall Collins, que ces démonstrations impliquent le regard des autres. Là où le premier voisin est à des kilomètres, si vous connaissez les zones rurales américaines, arborer un drapeau n'a guère de sens, puisque personne ne le verra. Mais ne pas le faire ne signifie pas que l'on n'ait pas pour autant conscience qu'il serait bien de le faire. Randall Collins fait ainsi remarquer que la désirabilité sociale
attaché aux démonstrations de patriotisme dans de telles circonstances, conduit généralement les enquêtes par sondage à surestimer largement leur ampleur. Deux jours après le 11 septembre, le 13 septembre 2001, d'après un sondage pour Time et CNN, 86% des Américains déclaraient avoir arboré un drapeau américain. 86% deux jours après. Dans les faits, Randall Collins, sur ses 9 mois de travail avec ses amis et collègues en différents points des États-Unis, aura observé le tel drapeau sur un peu plus de 40% de maisons individuelles, 10% de voitures et 5% de passants. Au maximum, ces pics étant en outre propres à des enclaves de solidarité, comme il les appelle, bien particulières, comme les banlieues résidentielles de classe moyenne. Randall Collins ne fut pas le seul à répondre à l'attaque terroriste par l'enquête. Toute une génération de jeunes chercheurs s'en est saisie pour développer un nouveau champ de la connaissance sociologique. Greg Smith-Simon venait de commencer une thèse à Columbia en sociologie urbaine sur les espaces publics et la vie communautaire dans le quartier de Battery Park City, qui est situé juste à côté du World Trade Center, lorsque survinrent les attaques du 11 septembre. Vouloir mener à bien son projet de départ, en faisant abstraction de ces attentats, n'aurait guère eu de sens. Tous ceux qui ont commencé une thèse, je pense, peuvent compatir à ce qu'il a vécu. Et donc, du coup, il s'engage dans ce qui aboutit 10 ans plus tard, il lui aura fallu un peu de temps, du coup, pour faire sa thèse, à la publication de son livre « September 12 », qui montre de manière très fine en quoi les effets produits par les attaques du World Trade Center à l'échelle locale, vraiment le quartier, les riverains habitant à côté du World Trade Center, sont bien plus ambivalents qu'on pourrait le penser a priori. Pendant près de 4 ans, jusqu'en avril 2005, il enquête dans ce quartier, qui est un peu à Manhattan ce que le 16e arrondissement est à Paris, un ghetto à riches. Même quand le terrorisme tue à l'aveugle, mieux vaut être riche que pauvre lorsqu'on y est personnellement confronté. Cela aide à se payer la thérapie ou les soins dont on peut avoir besoin, particulièrement dans un pays comme les États-Unis. Et grâce à son enquête au long cours, Greg Smith-Simon a pu montrer qu'en plus de leurs ressources économiques bien supérieures à celles des autres New-Yorkais pour faire face aux attentats, les habitants de Battery Park City ont pu surmonter cette épreuve grâce au caractère exclusif de leur quartier, qui visait simplement au départ à préserver un entre-soi de classe. C'est-à-dire que si certains ont en effet été amenés à quitter le quartier, notamment parce que leur appartement avait été soufflé par l'effondrement des tours du World Trade Center, ceux qui y sont restés eurent le sentiment de se retrouver tout d'un coup entre amis dans ces rues et ces espaces verts, trouvant là des gens avec qui parler et partager leurs états d'âme, ce qui tout à la fois les aida à aller de l'avant sur le plan personnel et renforça considérablement la cohésion sociale à l'échelle du quartier par rapport à ce qu'elle était avant le 11 septembre. Mais cet effet positif alla de pair avec un autre, plus négatif. Tandis que les habitants de Battery Park City se rapprochèrent les uns des autres, ils eurent tendance à s'opposer aux autres New-Yorkais amenés à traverser leur quartier et à faire usage de ces espaces publics, notamment en période de commémoration. Ils se mobilisèrent contre ce qu'ils perçurent comme une mise en danger de la quiétude de leur quartier par des touristes. Quand bien même la plupart de ces touristes étaient en fait des parents et des proches de personnes décédées dans l'attaque contre le World Trade Center, ou des New-Yorkais qui y avaient survécu comme eux. Et on voit ainsi comment des micro-lignes de fracture se créent et se creusent au sein de ce qu'on pourrait de loin voir comme une simple communauté urbaine, les New-Yorkais unis dans l'épreuve. Tout aussi réactive que Greg Smith-Simon et Randall Collins fut encore Laurie Peake, qui est aujourd'hui directrice du Natural Hazard Centers à l'université de Colorado Boulder, où elle était d'ailleurs étudiante lorsque le 11 septembre se produisit. Trois semaines après les attentats du 11 septembre, et au début donc de ce que Randall Collins qualifie de zone d'hystérie, elle partit sur le terrain à New York, elle quitta le Colorado pour aller à New York, à la rencontre de jeunes Américains musulmans, afin de saisir comment ils vivaient l'événement et ses répercussions. Et jusqu'en décembre 2003, pendant un peu plus de 2 ans, elle enquêta auprès d'eux, accumulant des heures et des heures d'entretien et d'observation, les accompagnant dans leur vie quotidienne, chez eux, sur leur lieu de travail, lors de trajets dans le métro ou de moments de pratiques religieuses, entre autres. Elle en tira un livre, « Behind the Backlash, Muslims American After 9-11 »,
Et sans elle et sans ce travail, la réalité des discriminations subies par les musulmans aux États-Unis suite au 11 septembre n'aurait pas été documentée de manière aussi précise et remarquable. Dans son livre, elle montre comment l'événement a marqué pour eux un tournant profond et brutal. Quasi immédiatement, ces musulmans s'étant soudainement sentis rejetés, exclus de la communauté en deuil qui avait été créée par les attentats, et même dans certains cas, en insécurité chez eux. Je donnerai encore deux derniers exemples de ces travaux en sciences sociales qui sont nés du 11 septembre, grâce auxquels nous avons gagné aujourd'hui une compréhension de cet événement et de ses répercussions que nous n'avions pas et ne pouvions pas avoir à l'époque de sa survenue. Ils sont un peu différents des trois précédents car ils se font non plus sur des enquêtes dites de terrain, lancées immédiatement ou très peu de temps après les attentats, mais plutôt sur un travail d'archives, par où l'on voit, mais ce n'était pas une grande découverte, qu'histoire et sciences sociales ont partie liée. Dans le cas de Christina Simko, qui a travaillé sur les mises en récit du 11 septembre aux États-Unis, il s'agit d'archives de discours politiques, ceux prononcés dès après les événements et jusqu'en 2014, à l'occasion de cérémonies commémoratives en particulier, par les présidents et vice-présidents des États-Unis, des membres du gouvernement et des membres du Congrès, ainsi que les gouverneurs et maires des lieux frappés. Et il s'agit, dans mon cas, puisqu'il faut bien que je parle un peu de mon propre travail aussi, d'archives médiatiques et d'archives de réactions écrites d'individus ordinaires, c'est-à-dire les courriers adressés par des Français aux victimes et au peuple américain, les messages collectés dans des mémoriaux spontanés devant les ambassades ou à New York, auxquels l'anthropologue Béatrice Frankel a consacré un très beau livre, « Les écrits de septembre ». En explorant ces documents, donc ces archives de discours politiques, Christina Simko a pu montrer en quoi, y compris aux États-Unis, l'événement 11 septembre n'est pas univoque. C'est un événement qui a eu lieu en différents sites. À New York, certes, mais aussi, ce qu'on tend souvent à oublier en Europe, au Pentagone à Washington, et à Shanksville, en Pennsylvanie, où s'est écrasé le vol United 93, suite à la rébellion de ses passagers contre les terroristes. Et selon le lieu qu'on considère, le sens que l'on attribue politiquement à l'événement, la façon dont on le raconte, les leçons qu'on en tire, ne sont pas les mêmes. Il existe toute une mise en récit nationaliste et providentialiste du 11 septembre, qui est bien connue, c'est celle de George W. Bush et de Dick Cheney, du bien contre le mal, de la guerre contre le terrorisme, entre guillemets, au nom de la liberté, elle aussi, entre guillemets, et des héros morts pour la patrie. Singulièrement, les passagers du vol 93 qui se sont rebellés. C'est la rhétorique qui prédomine lorsque l'on évoque le 11 septembre à Washington et à Shanksville, donc, désormais considéré, même Barack Obama l'a reconnu, comme une terre sacrée de la nation américaine, au même titre que Gettysburg, qui se trouve vraiment juste à côté. Mais il existe aussi une autre mise en récit du 11 septembre qui coexiste à cette autre mise en récit quasiment depuis le début et qui prime, elle, davantage à New York. Celle d'une catastrophe ayant frappé non pas seulement la nation américaine, mais le monde en général, qui adopte une perspective plus cosmopolitique, plus tragique et plus humaniste, et qui met l'accent sur les victimes prises au piège des tours, plutôt que sur les héros, des victimes mortes simplement pour s'être retrouvées là, au mauvais endroit, au mauvais moment, et dont beaucoup, dans les tours du World Trade Center, n'avaient pas la nationalité américaine. Contre toute tendance donc à réifier l'événement, à le prendre comme une chose en soi, dont le sens serait évident et figé, le travail de Christina Simko vient ainsi rappeler salutairement qu'y compris aux États-Unis, il n'y a pas un, mais plusieurs 11 septembre. Et cette deuxième façon de concevoir l'événement, universaliste plutôt que nationaliste donc, n'est pas sans faire écho à la façon dont l'ont vécu et perçu les Européens à l'époque, ainsi que je l'ai montré dans mon propre travail. Au début de mon livre « Sidération », je reviens sur le traitement différencié dont les attentats du 11 septembre firent l'objet dans les médias occidentaux. Américains et Européens n'en ont pas exactement vu ni entendu la même chose. Or, ce à quoi nous réagissons lorsque nous réagissons à un attentat, dès lors que nous n'en sommes pas directement victimes ou témoins, c'est ce que nous en percevons au travers des médias. Et ce, qu'ils se produisent non loin de chez nous, dans notre pays, comme de l'autre côté de l'Atlantique.
Et c'est pourquoi on ne peut pas véritablement comprendre les réactions que déclenche une attaque terroriste dans une société donnée sans commencer par se pencher sur la façon dont elle est médiatisée dans cette société. La façon dont elle est mise en récit et donnée à voir. Car en même temps qu'ils décrivent et qu'ils racontent l'attaque, l'effet brut pourrait-on dire, les journalistes disent en même temps à qui cela arrive et donc qui doit ou ne doit pas se sentir concerné. Myriam Revaud-Allonne disait hier que l'événement, ce n'est pas simplement ce qui arrive, mais ce qui nous arrive. Il faut qu'il y ait un sujet à l'événement. Et précisément, c'est là que le rôle des médias est essentiel. Le 11 septembre au matin, les chaînes de télévision américaines, c'est très clair, je le rappelle au tout début de mon livre, passent ainsi en à peine de quelques heures à une catastrophe au World Trade Center, qui pourrait ne concerner que les New-Yorkais, à une attaque terroriste, et enfin, en quelques heures à peine, à un acte de guerre contre la nation américaine dans son ensemble. Et c'est ainsi, donc, au travers des médias, que ce qui arrive devient quelque chose qui nous arrive. Pas simplement aux New-Yorkais, mais aux Américains, et peut-être aussi donc au reste du monde. Il faut faire l'effort d'imaginer ce qu'aurait pu être le 11 septembre et ses répercussions s'il n'avait pas été retransmis en direct par les télévisions du monde entier. Pour les Américains, donc, le 11 septembre fut à l'évidence un nouveau Pearl Harbor. Photo à l'appui, ainsi que l'a remarquablement montré l'historien de la photographie Clément Chéroux dans son livre Diplopie, qui était une grande source d'inspiration pour moi. C'est-à-dire une agression inattendue et infâme de leur nation, appelant une évidente riposte militaire. Tandis que pour les Européens, vous et moi donc, il s'est plutôt agi, mais le jour même, d'une apocalypse, de la crainte d'une nouvelle guerre mondiale. Je vous le disais, c'est moi-même comme ça que je l'ai vécu face aux images le jour même. De la crainte d'une nouvelle guerre mondiale, voire d'une fin du monde, une apocalypse, sous le feu nucléaire d'une riposte américaine qui pourrait être démesurée, et donc un événement qui concerne l'humanité tout entière. On l'a singulièrement oublié aujourd'hui, je crois, mais trois jours après le 11 septembre, des centaines de milliers d'Allemands descendaient dans la rue pour dire leur crainte d'une nouvelle guerre mondiale et appeler à la paix. S'il n'est probablement pas impropre de dire que le 11 septembre fut un événement monde, encore faut-il donc préciser que tout le monde n'en a pas fait la même expérience. Et pour saisir quelles furent les différentes expériences du 11 septembre à travers le monde, il n'y a pas d'autre voie que celle de l'enquête et des sciences sociales. Toujours dans Sidération, j'en viens ainsi à montrer comment les Européens se sont mis à redouter, puis à vivre de nouvelles attaques terroristes sur leur sol à l'aune de ce précédent, le 11 septembre. Dès après le 11 septembre, nous avons commencé à vivre dans la crainte d'un nouveau 11 septembre. Et c'est ainsi que les attentats du 11 mars 2004 à Madrid, les plus meurtriers perpétrés à ce jour sur le sol européen, raison pour laquelle la journée de commémoration nationale en France des victimes du terrorisme est désormais célébrée le 11 mars. Ces attentats donc furent qualifiés à l'époque de 11 septembre espagnol, aussi bien que de 11 septembre européen. De même que Le Monde, au lendemain de l'attentat contre Charlie Hebdo, titre le 11 septembre français. Cela, assurément, dit quelque chose d'un rapport spécifiquement européen au 11 septembre, mais qui correspond aussi à une période historique, sans doute aujourd'hui révolue. À la décennie Ben Laden a succédé la décennie Daesh, où l'on voit bien, je crois, comment la référence au 11 septembre, autrefois quasi obsessionnelle, a fini par s'estomper, pour laisser place peut-être à un autre imaginaire, pour reprendre un terme dont nous discutions hier, ou à un autre horizon de crainte. 20 ans plus tard, on voit donc comment tout un ensemble de savoirs se sont constitués grâce aux sciences sociales sur l'événement 11 septembre et ses répercussions, aux États-Unis et au-delà, qui permettent d'appréhender les choses de manière un peu plus fine et précise qu'avec les grands concepts qui ont pu avoir cours dans certains commentaires intellectuels juste après les attaques. C'est un nouveau champ de connaissances scientifiques, qui a en fin de compte pris forme, et grâce auquel nous sommes aujourd'hui mieux armés que nous l'étions en septembre 2001 pour faire face aux périls terroristes et aux pièges qu'ils recèlent sur le plan sociopolitique. Ce savoir nous permet en effet de comprendre ce qui nous arrive quand nous sommes en proie à une attaque de masse, ce qui nous prend, si vous me passez l'expression, en de telles circonstances. C'est-à-dire la nature, la portée, les ambivalences et les dangers du processus de réaction sociale que l'attaque met en branle. Alors, cela ne veut pas dire qu'il ne se trouve pas encore aujourd'hui des gens
pour penser que les sciences sociales sont inutiles lorsque survient une attaque terroriste. On se souvient de Manuel Valls, alors Premier ministre, fustigeant quelques semaines après les attentats du 13 novembre, ceux qui chercheraient à les expliquer sociologiquement, toute explication étant selon lui assimilable à une excuse. Mais cela veut dire en revanche que nous sommes en mesure de remarquer aujourd'hui que ces déclarations de Manuel Valls intervenaient en plein dans cette période post-attentat si particulière qu'est la zone d'hystérie, et qu'il y a des chances pour que ceci explique cela, et sans l'excuser évidemment. Les attentats de 2015 ont donné lieu en France à une réponse de la communauté scientifique sans précédent. Sandra le rappelait, il y a eu quand même assez singulier cet appel lancé tout d'un coup par le président du CNRS, Alain Fuchs à l'époque, pour justement financer dans l'urgence des projets qui naîtraient en réaction à l'attentat. C'est assez rare pour le rappeler, pour le souligner. Et il est assez remarquable qu'ait ainsi été lancé, grâce à ce soutien du CNRS et d'autres institutions, à plusieurs projets de recherche en sciences sociales qui prolongent très directement ceux que je viens d'évoquer. Ma collègue Sarah Gensburger, par exemple, qui vit dans le 11e arrondissement, non loin du Bataclan, et donc aussi de l'ancien siège de Charlie Hebdo, s'engagea dans une enquête de proximité au sein de son quartier qui fait très directement écho au travail de Greg Smith-Simon, mais aussi à celui de Randall Collins. Comme lui, elle s'est mise à recenser les drapeaux aux fenêtres. Vous voyez, un travail qui peut paraître un peu ingrat, recenser les drapeaux aux fenêtres, pour voir dans quelle mesure, c'est comme ça qu'on accumule, qu'on crée de la connaissance scientifique, pour voir dans quelle mesure ce que Randall Collins avait constaté aux États-Unis après le 11 septembre était effectivement transposable à la France de 2015. Et pour en même temps compléter son analyse, puisque lui, pour le coup, avait précisément fait le choix en 2001 de ne pas enquêter aux abords des sites frappés par le 11 septembre. Il n'a pas enquêté à New York, mais plutôt dans le reste des États-Unis. Sarah Gensburger a ainsi pu confirmer que placer ou pas un drapeau à sa fenêtre à la suite d'un attentat a partie liée avec le fait que ce drapeau puisse être facilement vu par des voisins ou des passants. Mais elle ajouta aussi que, dans le cas des riverains comme elle, les gens qui habitent à proximité des lieux frappés, le fait d'avoir pu voir ou non les attentats de chez soi faisait également une différence. Alors il serait fastidieux de tous les citer tant il y en a, mais de la même manière, l'enquête de Laurie Peak sur la stigmatisation et la discrimination des musulmans aux États-Unis après le 11 septembre a été très directement prolongée par l'enquête de Vincent Gesser et son équipe sur la façon dont les musulmans de France ont vécu et réagi aux attentats de 2015 et 2016, l'attentat de Nice aussi du 14 juillet 2016. Moi-même, comme le rappelait Sandra, peu après avoir achevé mon travail sur les réactions aux attentats du 11 septembre de Madrid et de Londres, j'ai remis mon ouvrage sur le métier, comme l'on dit, pour me pencher sur les réactions suscitées par le 13 novembre. Travail dont est notamment issu le livre que j'ai coédité avec Florence Fauché face aux attentats, et celui que j'ai coédité aussi et publié au même moment, il y a quelques mois, avec Sarah Gensburger, Les mémoriaux du 13 novembre. Et puis il y a bien sûr, je crois que tu l'évoquais aussi Sandra, le programme de recherche interdisciplinaire 13 novembre, qui associe le CNRS et l'INSERM, et dont la phase 3 se déroule en ce moment même. Les sciences sociales occupent une place centrale dans ce programme de recherche, puisque le cœur en est consiste en une collecte massive de témoignages et une enquête par questionnaire, réalisée en partenariat avec le CREDOC, donc sur un échantillon représentatif de la population française, qui vise à saisir, aussi finement que possible, les rapports de chacun, de chaque Français, aux attentats du 13 novembre, et les déterminants des souvenirs qu'il en garde au fil du temps. C'est pour ça qu'on les a interrogés une première fois en 2016, puis une seconde en 2018, et à nouveau maintenant, en 2021. Si l'on y réfléchit bien, tout cela n'est en fin de compte rien de moins qu'un effet indirect du 11 septembre. Il n'y aurait pas pu y avoir une telle réponse scientifique aux attentats de 2015 en France s'il n'y avait pas eu d'abord ce nouveau champ de connaissances apparu en réaction aux attentats de 2001. C'est parce que des chercheurs et chercheuses, à cette époque, aussi sidérés et choqués pouvaient-ils être par ailleurs, ont fait le choix de répondre aux terroristes avec leurs armes, celles de la science et de l'enquête, que nous en sommes là, désormais. C'est donc en un sens quelque chose que nous devons au 11 septembre. Que ce savoir existe et continue à croître n'empêche toutefois pas que nous puissions encore nous laisser embarquer dans des zones d'hystérie post-attentat et attrapés par leurs chausses trappes. Nous en avons eu la triste illustration encore en France ces derniers temps, avec entre autres l'affaire du Burkini après l'attentat de Nice, ou la polémique sur l'islamo-gauchisme à l'université après l'assassinat de Samuel Paty.
la répétition des attaques en particulier menace de nous faire ressembler aux pêcheurs qu'Edgar Allan Poe décrit dans sa nouvelle « Une descente dans le maelstrom ». Dominés par nos affects, incapables du moindre recul, nous n'en finissons pas de fixer le cœur du tourbillon dans lequel nous risquons de sombrer corps et âme. Dans une conférence inspirée par cette nouvelle, le sociologue allemand Norbert Elias faisait remarquer au début des années 80, 40 ans, que les hommes ont encore à accomplir dans le domaine social et politique ce qu'ils ont su réaliser vis-à-vis des phénomènes naturels, tels que les ouragans ou les tremblements de terre. Pendant des siècles, ceux-ci nous ont inspiré terreur et fascination. Incapables de prendre du recul sur eux, nous ne parvenions pas à en maîtriser les dangers, ce qui ne faisait en retour que renforcer peurs et croyances, jusqu'à ce que le développement du savoir scientifique nous aide à considérer ces phénomènes de manière rationnelle et ainsi à mieux nous y préparer et à mieux y faire face. Et c'est ce qui nous reste encore en grande partie à faire pour les phénomènes sociaux, raison pour laquelle on a besoin de sciences sociales, et en particulier le terrorisme. Même si nos connaissances scientifiques en la matière se sont donc considérablement accrues, depuis 20 ans. Mais pour que ces connaissances nous aident effectivement, encore faut-il qu'elles soient diffusées et relayées aussi largement que possible. C'est pour ça qu'on a besoin d'événements scientifiques comme celui-ci. Merci encore. Si nous avons moins peur aujourd'hui des ouragans, et si nous savons nous y préparer efficacement, c'est parce que le savoir météorologique est désormais rendu accessible au plus grand nombre. Il y a des bulletins météorologiques plusieurs fois par jour sur toutes les chaînes de télévision. Les savoirs issus des sciences sociales doivent l'être tout autant. Et puissions-nous donc ne jamais oublier que, comme le disait Hölderlin, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup, hein, Jérôme, pour cette très belle conférence. Et je pense qu'on a en effet beaucoup de choses à faire encore. Alors, je ne sais pas si on va avoir notre bulletin météorologique en sciences sociales tous les jours, mais c'est vrai que ça serait nécessaire. Je ne sais pas si on a un moyen de faire accéder à un micro les personnes qui voudraient poser des questions. Je ne sais pas. Oui, ben on va prendre celui-là. Je pense qu'il faut se déplacer, c'est ça, ou tu peux l'emmener. Voilà, parce que je pense qu'on est un peu en retard, mais ça serait bien. Voilà, si quelqu'un a des questions à poser ou des remarques, ça serait bien que ça soit possible. Pour l'instant. En tout cas, c'était extrêmement revigorant aussi. Tant mieux. Tant mieux. Quand même prendre quelques minutes parce que ça vaut la peine. Tu as une question? Oui. Ou c'est une question de Anna que tu traduis? Non, vas-y, Sylvie. Ben, viens ici. Regarde Dorian. Merci Dorian, désolé. Oui, bonjour. Il me semble qu'on a changé de dimension. Est-ce que vous pouvez vous présenter quand vous parlez, s'il vous plaît? Oui, bonjour, je m'appelle Stéphane Sisko. D'accord. Je suis directeur d'une fondation qui s'appelle Candota, qui travaille sur la représentation de la guerre. Il me semble qu'on a changé de dimensionnement de l'événement depuis la globalisation des réseaux sociaux, à savoir que depuis septembre 2001, si on prend l'événement du blast de Beyrouth, par exemple, on aurait été dans une même configuration, c'est-à-dire un événement filmé qui a été diffusé non plus par des médias globaux comme ceux auxquels vous avez été exposés, mais par des réseaux sociaux avec une démultiplication et une fragmentation de l'information autrement plus efficace que ce que ça a été à l'époque, avec une dimension aussi globale. Ma question est, y a-t-il eu, avec le recul, une sorte de, en termes d'études, quoi, de travail en sens social, une différenciation entre comment ce type d'événement, de la manière dont il a été globalisé, eût été globalisé si on avait eu les outils, s'il y avait eu encore les outils aujourd'hui des réseaux sociaux avec, avec tous les biais que l'on connaît d'isolement cognitif, de complotisme, etc. Alors, merci pour votre question, parce qu'effectivement,
C'est un champ énorme des recherches en sciences sociales actuellement sur ces événements-là, le rôle des réseaux sociaux et d'Internet dans leur médiatisation et dans le processus de réaction sociale. C'est un sous-champ dans le champ que j'évoquais et qui prend une importance énorme, notamment là, sur les cas les plus récents des attaques qui ont touché la France et l'Europe en 2015-2016, 2017-2018, il y a aussi eu Copenhague et d'autres. Il y a énormément de choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit fondamentalement ce que montrent ces travaux, c'est que l'apparition d'Internet et des réseaux sociaux, alors surtout des réseaux sociaux, parce qu'il y a déjà Internet au moment du 11 septembre, je vais y revenir, mais les réseaux sociaux, donc, qui apparaissent après les grands attentats Al-Qaïda, c'est-à-dire après le 11 septembre, Madrid et Londres. Londres, c'est le 7 juillet 2005. Les réseaux sociaux apparaissent en 2007-2008. Et ce que ça change, c'est pas tant la nature profonde du processus, qui reste assez stable, en fait, de ce qu'on peut constater par les diverses enquêtes qui sont faites, mais plutôt sa temporalité. Ça accélère, ça précipite beaucoup plus les choses, en fait. Notamment le rôle de Twitter, qui fait qu'on passe beaucoup plus rapidement de la phase d'information sur ce qui se passe, de clarification des événements, à la phase d'organisation d'une réponse sociale et d'une démonstration de solidarité. Ces différentes phases que distingue Randall Collins, il explique que voilà, avant qu'aux États-Unis, en 2001, on, en gros, se stabilise autour du drapeau américain, que le drapeau américain, pardon, soit saisi comme étant le symbole à mettre en avant pour exprimer sa solidarité avec les victimes. Il faut à peu près 48 heures. Pour qu'en France, après l'attentat de Charlie Hebdo, le symbole soit « Je suis Charlie », il a fallu quelques heures seulement. Et donc tout est précipité comme ça, tout se produit. Les quatre phases quasiment se passent. Après le 13 novembre, par exemple, en travaillant sur les tweets collectés par l'INA, j'ai pu montrer, c'est un petit article que vous pourrez retrouver en ligne que j'ai publié dans la revue des médias, édité par l'INA. En fait, en l'espace de 24 heures, on en est déjà au plateau de solidarité que j'évoquais. Bon. Et donc pareil pour les théories du complot, par exemple les rumeurs, les théories du complot. Il y a un article de Gérald Bronner, où Gérald Bronner explique qu'après le 11 septembre, bah, il faut du temps pour que ces théories du complot qui circulent sur Internet se diffusent plus largement, en fait, parce qu'à l'époque, Internet, c'est juste des chaînes de mails, c'est pas la viralité qu'on connaît aujourd'hui. Et alors, il y a eu le livre de Thierry Messant, le passage de Thierry Messant à la télévision marque une étape supplémentaire dans la diffusion de ces théories. Après Charlie Hebdo, les théories du complot, elles pullulent sur Internet, elles sont diffusées à la même échelle en l'espace de quelques heures, là aussi. Donc c'est vraiment, effectivement, aujourd'hui quelque chose qui est absolument central dans ce processus, mais qui n'en change pas fondamentalement la nature. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte, comme la médiatisation est consubstantielle de l'événement terroriste, qu'en fait, on peut identifier à chaque grande phase des médias des grands événements terroristes en fait, emblématiques. Et notamment, eu un numéro de la revue Le Temps des médias qui montre ça très bien. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'âge d'or de la presse, fin 19e siècle, ben c'est les grands attentats anarchistes. Et quand on a la télévision, par exemple, je vais très vite, hein, mais la télévision qui apparaît, c'est l'attentat de Munich qu'on vit le soir en direct. Et puis quand on passe aux chaînes d'information en continu, CNN, LCI, ben là c'est le 11 septembre. Et qui est justement vécu en direct parce qu'il y a des chaînes de télévision pour directement prendre l'antenne, ce qui n'aurait pas été le cas 20 ans avant. Et puis, effectivement, quand les réseaux sociaux apparaissent, ben ensuite, du coup, c'est Charlie Hebdo, le 13 novembre, avec là, tout de suite, en fait, le slogan qui s'impose, le « Je suis Charlie », il apparaît en quelques heures. Le « Nous sommes tous américains » après le 11 septembre, il faut quand même 24-48 heures, là aussi, pour émerger en Europe. Voilà. Merci beaucoup de rappeler ça, puisqu'il y a toute cette étude que tu avais faite des tweets dans la soirée... Donc, du 13 novembre, et c'est vrai que les outils de l'INA sont très précieux, parce qu'on les utilisait aussi. Est-ce qu'il y a une autre question? Je crois qu'il y avait Sylvie, non? Mais finalement, voilà. Oui, donc Sylvie Alouche, membre du projet Démo Série. Et alors justement, membre du projet Démo Série, donc qui parle des séries télévisées. Et donc je voulais savoir si vous aviez une idée de la façon dont justement les séries télévisées participent ou non à cette diffusion de connaissances informées sur le terrorisme. C'est une très bonne question, à laquelle, parce que du coup, elle est très bonne parce que j'ai pas la réponse. Il faudrait en parler avec nos collègues, Claire Secaille et Pierre Lefébure, qui eux sont. Alors, Claire Secaille, elle est au CNRS comme moi, particulièrement spécialisée en histoire des médias, mais dans une perspective interdisciplinaire. Je travaille avec elle sur un projet sur la.
la réception, parce que c'est toute la difficulté en fait, les études de réception. On a tout plein d'études, alors, il y a énormément de choses sur le traitement médiatique des attentats, la médiatisation des attentats du côté de la production, hein. On prend les archives médiatiques, je l'ai fait moi-même, on regarde comment on parle des attentats, ce qu'on en dit, combien d'heures on y consacre, sous quel format, on peut aussi enquêter auprès des journalistes. C'est beaucoup plus compliqué d'aller voir ce qu'il en est de la réception de tous ces contenus médiatiques, télévisuels, etc., du côté de la population. Bon. Donc on a monté ensemble une enquête sur laquelle on travaille encore, sur la réception de la médiatisation des attentats de 2015 en France, bon. Et, alors qui n'inclut pas un volet sur la réception des séries télévisées, mais et donc je ne crois pas à ma connaissance qu'il y ait pour l'instant de choses qui portent spécifiquement là-dessus, la réception en France et ailleurs de séries télévisées qui portent sur les attentats. Mais ça serait très intéressant à faire, et peut-être que ça a été fait par exemple aux États-Unis, je sais pas, et typiquement ça c'est quelque chose qu'il faudrait lui demander, et je ne manquerai pas de le faire du coup dès que je la verrai. Il faudra qu'on en reparle. Merci, oui, j'avais échangé avec Claire et Pierre, et c'était pas encore voilà. Donc de toute façon on espère nous aussi faire ce travail dans le projet, donc, c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Très bien. Allez-y. Oui, bonjour, Olivier Vasseur, Onera. J'ai beaucoup apprécié votre plaidoyer pour les sciences sociales, et on a besoin effectivement de sciences sociales pour comprendre de tels événements. Mais au travers de ce plaidoyer, est-ce qu'il n'y a pas finalement un défi que vous posez en termes d'incertitude finalement qu'il y a derrière ces études, la crédibilité que l'on peut avoir sur ces études pour les transposer dans d'autres lieux et d'autres temps, et finalement à s'interroger sur les limites de chaque étude. Et parce que vous avez cité les catastrophes naturelles, en sciences dures, on arrive à reproduire, chaque culture va être d'accord sur ce qu'on observe. Et là, on a quand même beaucoup un exposé sur une vision occidentale, et donc finalement, il faudrait peut-être confronter également, au travers de ce que vous dites, et puis de ces remarques sur les incertitudes et les limites, finalement, de chaque étude, avec des regards à confronter en dehors du monde occidental. Voilà. Vous avez tout à fait raison. C'est à la fois... c'est une invitation... Je pense que mon plaidoyer, il faut aussi l'entendre comme étant une invitation à la modestie et à la prudence. Bien souvent, alors c'est toute une difficulté, hein, on demande aux sociologues d'avoir un avis sur absolument tout sans avoir enquêté, et en fait c'est très difficile d'assumer que les sciences sociales ne sont pas exactement des sciences de la nature. Épistémologiquement c'est bien établi, on ne peut pas, comme on travaille sur des phénomènes sociaux, les isoler en laboratoire et les analyser au travers d'expériences, on ne peut pas reproduire les expériences, et donc tout ce qu'on peut faire c'est mettre en évidence des régularités liées à des contextes, et dire que certains événements, dans certaines circonstances, produisent à peu près les mêmes effets. Voilà. Et on est toujours amené à devoir remettre notre métier sur l'ouvrage pour voir dans quelle mesure c'est encore vrai dans d'autres contextes. Typiquement, là, c'est passé. C'est comme ça que la connaissance scientifique progresse. Randall Collins a ce réflexe inouï aux États-Unis après le 11 septembre, quand tout le monde est dans un état de choc incroyable là-bas, surtout dans son milieu social, je pense, en plus, d'intellectuels sur la côte Est, etc., de se dire « je vais aller me doter de données empiriques pour comprendre ce qui se passe ». Il établit des choses qu'il est le premier à établir, qui sont remarquables, et en même temps, voilà, on ne peut pas, à partir de ça, se dire qu'en tout temps, en tout lieu, une attaque terroriste produit ça. Et donc, après le 13 novembre, on a besoin de, à nouveau, se remettre au travail pour vérifier dans quelle mesure ça marche ou ça ne marche pas. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Et ce qui veut dire que c'est le propre de la démarche scientifique, en fait. On est amené toujours à devoir douter et pouvoir énoncer clairement ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, et tout le temps remettre les choses en question. Et donc, effectivement, moi, depuis que je travaille là-dessus, un de mes grands soucis aussi, c'est de pouvoir... Effectivement, élargir la perspective, le terrorisme n'a pas lieu qu'en Occident, c'est un truisme que de le rappeler ici, et il tue beaucoup plus en fait en dehors de l'Occident qu'il ne le tue en Occident. La grande difficulté est de pouvoir avoir des matériaux, des structures académiques, des structures de recherche qui permettent d'enquêter sur les réactions aux attentats en dehors de l'Occident, comme on peut le faire en Occident. J'ai dirigé un numéro de la revue Ethnologie française, intitulé sobrement « Attentat », qui rassemble une série d'études où justement l'enjeu était celui-ci, de ne pas
de ne pas rester uniquement enfermé. Sur les attentats de 2015, 2016, 2017, 2018, en France, en Europe, il y a eu un nombre de travaux incalculable. On n'en a jamais vu autant, en fait. C'est beaucoup plus compliqué quand on veut travailler sur des attentats en Russie, des attentats en Afrique, au même moment, enfin, voilà, les attentats qu'on a pu avoir à Nairobi, à Bamako, etc. Il est beaucoup plus difficile de travailler dessus, de pouvoir collecter. Rien que, vous voyez, à Paris, en 2015, les mémoriaux de rue qui apparaissent devant les sièges, le siège de Charlie Hebdo en janvier 2015, ça n'a pas été collecté. C'est tout ce qui était là, ces traces de réactions de Parisiens ou d'autres, tout ça a, en grosso modo, disparu. Et au moment du 13 novembre 2015, du coup, cette fois-ci, la mairie de Paris s'est mobilisée, notamment parce que je les ai alertés en leur disant « Vous ne l'avez pas fait en janvier, il faudrait le faire là. » Donc, on collecte. Mais on aurait très bien pu ne pas collecter. Et dans la plupart des cas, en fait, en dehors des pays occidentaux, les traces des réactions, on n'a pas que ça à faire. L'urgence, c'est les questions sécuritaires, c'est de prendre en charge les blessés, c'est de... Donc, collecter des données, ce n'est pas la priorité. Et sans compter des enjeux, des fois, qui sont proprement de rapport à l'état de droit. C'est-à-dire que, dans l'ethnologie française, il y a un article de ma collègue Anne Le Houerou, spécialiste de la Russie, qui porte sur les commémorations de Beslan. Quand elle a voulu aller là-bas pour enquêter, elle a failli pas obtenir son visa. Et c'est là bien la première fois que ça lui était difficile. Elle est vraiment voilà, reconnue comme spécialiste, etc. Il y a des sujets dans certains pays, quand on veut s'y intéresser, ça pose problème. Et donc il est très difficile effectivement d'arriver à étendre ce champ de connaissances scientifiques sur l'impact des attentats, sur les réactions aux attentats en dehors du monde occidental. C'est un souci, c'est une préoccupation. Scientifiquement, il faudrait pouvoir aller au-delà, mais on se retrouve confronté à des difficultés véritablement pratico-pratiques institutionnelles. Sandra, est-ce que je peux juste poser une question très, très rapide, parce que j'avais une question connexe à la question de monsieur et à la réponse que tu viens de faire. Mais pour revenir, pas sur des attentats qui ont été commis sur les territoires nationaux des États en question sur lesquels il est difficile d'enquêter, mais sur le 11 septembre lui-même. C'est-à-dire que tu as comparé les différences de perception et de représentation du 11 septembre entre l'Europe et les États-Unis, et c'est très intéressant, mais est-ce qu'on ne reste pas du coup dans le créneau de l'occidentalocentrisme que par ailleurs on dénonce? Et donc la question est, le 11 septembre lui-même, qu'est-ce qu'on sait de la manière dont il a été représenté, diffusé, perçu, reçu dans notamment le monde arabe. Et est-ce qu'il y a eu des enquêtes qui ont été faites là-dessus? Et là, je ne parle pas d'attentats commis là-bas, mais sur l'événement lui-même en septembre. Oui, bien sûr. Là, effectivement, moi, dans le cadre de mon travail, je me suis centré sur, déjà, à différencier le fait que les Européens n'avaient pas vécu comme les Américains, ce qui, déjà, en soi, apportait quelque chose par rapport à une vision globaliste, en fait, occidentale, et du coup, en même temps, occidentaliste et généralisant à ce niveau-là. Il y a, par la suite, eu aussi, effectivement, des travaux portant sur la façon, toujours pareil, la façon dont au moins il a été représenté, donné à voir, mis en mots, et dans quel volume, dans la plupart des pays du monde en fait. Il y a même d'ailleurs en ligne, une archive en ligne de la retransmission télévisée en direct, et donc en simultané avec une chronologie, c'est assez intéressant, du 11 septembre à travers le monde. C'est-à-dire en même temps sur CNN, sur je ne sais plus quelle chaîne européenne, et puis une chaîne chinoise, et Al Jazeera. Et donc on voit à la même heure, au même moment des événements, voilà, les fuseaux horaires font aussi que pendant ce temps-là, ailleurs, en fait, c'est la publicité, c'est la nuit, on n'en parle pas, et on en parle en décalé du coup. Et donc il y a une partie du monde quand même qui n'a pas vécu en direct comme nous on l'a vécu en direct. Bon. Et donc ça c'est assez intéressant de se rendre compte que oui, l'événement, et une fois encore, l'événement est mondial. La crise est peut-être planétaire, j'en sais rien, mais en tout cas, fondamentalement, quand on se passe du point de vue des Chinois, par exemple, c'était un événement assez lointain. Et du coup, creuser ça du point de vue de la réception, c'est plus difficile. Mais ce n'est pas impossible non plus. Quand on va à New York, alors maintenant au Musée mémorial du terrorisme, avant ce qui s'appelait le Musée mémorial du terrorisme, c'est celui auquel je travaille et qu'on va créer en France, non. Le Musée mémorial du 11 septembre à New York. Et là-bas, en fait, les visiteurs peuvent laisser des petits mots, peuvent raconter leur 11 septembre. J'ai beaucoup travaillé aussi sur tous ces témoignages qui sont dûment archivés. Et c'est intéressant de voir comment beaucoup de touristes étrangers arrivent en expliquant à quel point, en fait, ça ne les a pas touchés le 11 septembre. Depuis, par exemple, l'Australie, j'ai en tête très précisément, j'en parle à la fin de Sidération, le témoignage d'un Australien expliquant, je dois bien avouer, alors toujours un peu honteux du coup, parce qu'on est là à New York, face à tout le musée qui nous raconte à quel point ça a été horrible, le nombre de morts, etc. Je dois avouer que depuis chez moi en Australie, ça m'a paru lointain,
J'ai pas bien réalisé, je connaissais pas les États-Unis, ça m'était étranger. Et c'est maintenant que je suis ici, que je vois l'ampleur du lieu, de ce que c'était ces tours qui se sont effondrées, que je comprends en fait à quel point ça a été terrible, atroce, traumatisant pour les Américains, etc. Bon. Donc voilà, par ce type de document-là, on peut aussi voir comment des gens à l'autre bout du monde, et y compris, donc là typiquement des Australiens, c'est pas qu'une question de barrière de langue ou culturelle ou autre, ont pu ne pas se sentir profondément bouleversé ou marqué, et même pas forcément prendre conscience de l'ampleur de l'événement, comme les Américains ont pu le faire, se sentant agressés comme un nouveau Pearl Harbor sur leur territoire, ou comme des Français ont pu le faire au même moment. Merci beaucoup, merci Jean-Baptiste pour la question, merci beaucoup Jérôme. Il y aurait énormément de questions encore à te poser, mais je pense qu'on a toute la journée, tu vas rester plus ou moins. Ah ben je reste. Voilà, et notamment ce soir aussi quand on parlera du projet de musée, hein, parce que très intéressant. Justement, le musée mémorial du terrorisme, voilà. Exactement. Et le musée mémorial du 11 septembre, il y aura les deux, ne pas confondre. Oui. Merci beaucoup. On va prendre cette pause avec un peu de retard, mais on va peut-être prendre quand même un quart d'heure, alors qu'il est 25, donc on se retrouve à moins 20. Alors attention, il y a une précision qui manque sur le programme, puisque la session 4 globale et interpréter l'événement, elle est divisée en deux panels. Le premier panel, cadre d'interprétation du terrorisme, on reste ici. Et le deuxième panel, 11 septembre médiatisé, c'est en 217. Ah, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je n'ai pas dit qu'est-ce qu'il y avait où. Voilà, oui, justement. Non, il n'y a pas l'inverse dans le programme. Il n'y a rien marqué, en fait. Il n'y a rien marqué. Donc le deuxième, c'est en 217. Voilà. De toute façon, on se retrouve dans un quart d'heure dans ces deux lieux en fonction de vos préférences.